Il arrive souvent avec Python qu'on ait besoin de boucler sur des séquences d'éléments. Pour ça, on peut utiliser une boucle for classique, mais il existe une façon plus concise de le faire avec les compréhensions de liste. Une compréhension de liste, ça nous permet de créer une boucle directement à l'intérieur d'une liste. On retrouve ici la syntaxe pour i dans nombre, qui est typique d'une boucle for. On indique ensuite au début de la compréhension de liste ce que l'on souhaite récupérer. Si on indique i, on ne change ainsi pas du tout la liste d'origine. On peut bien entendu indiquer n'importe quel élément au début de la compréhension de liste. Ici, on récupère pour chaque itération le nombre entier 0. Vous commencez ainsi à comprendre l'intérêt des compréhensions de liste, qui nous permettent en une seule ligne d'effectuer des opérations sur tous les éléments d'un itérable, comme ici pour multiplier tous les éléments de la liste par 2. Il est également possible d'utiliser une structure conditionnelle à l'intérieur d'une compréhension de liste pour filtrer notre liste d'origine. Dans le cas d'une condition simple, il faut l'ajouter à la fin. Ici, on ne souhaite récupérer que les éléments qui sont strictement supérieurs à 0. On se retrouve ainsi avec une liste qui ne contient que les nombres entiers positifs. Si vous souhaitez utiliser une condition if-else, vous devrez la placer au début de la compréhension de liste. Ici, on récupère les nombres tels quels s'ils sont positifs et le nombre moins 1 s'ils sont négatifs. Si vous avez du mal avec les compréhensions de liste, je vous conseille de commencer avec une boucle for classique et de la convertir par la suite. C'était les compréhensions de liste en une minute. N'oublie pas de laisser un pouce bleu pour aider la chaîne et abonne-toi pour plus de vidéos de ce genre.